إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتقوى ها هنا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى أن تكون حاذرين فيما أمرنا الله ورسوله وغائبين فيما نهاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم Mon conseiller moi-même en premier, ensuite tout ce qui peut écouter concernant sa grande ibad éduquée qui s'appelle At-Taqwa. At-Taqwa, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer sur les cœurs, il fait dire At-Taqwa ha hunak, mais dire c'est un ibad éduquée. At-Taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire connaître le Coran, qui lui donne nous la noblesse, chacun parmi nous qui est valide, grandir. Allah subhanahu wa ta'ala pas de couleur, pas de richesse, pas de grossesse à l'écho, mais Allah subhanahu wa ta'ala a des degrés de sa taqwa qui n'est pas le cas. Inna akramakum rindallahi atqakum. Et taqwa c'est qui nous présent. Quand Allah est sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous l'autre pour présent. Et absa quand Allah est sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous l'autre pour absa. Et six, ben muttaqin. Zis ban qui est vraiment une taqwa dans les bottes qui dégré mais tant que taqwa là ce degré plus haut il y a une puissance pour les rôdes de jannat parce que zis ban muttaqin qui est le rôde de jannat car Allah subhanahu wa ta'ala a uriddat lil muttaqin sa jannat là fin préparé zis ban qui est taqwa din al-islam chers frères et sœurs les bases de din al-islam Les raisons que Allah subhanahu wa ta'ala fin amène nous-mêmes au salatiela. Les raisons que nous vivons au salatiela, les raisons qui nous existent et qui ban djinn existent et tout ban création existe. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans sourate Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Nous pas fin créer ban djinn en premier, ensuite ban djimoun excepté pour faire ibadat. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ excepté pour faire ibadat quand une phrase il a accepté il a négarché au premier nom par exemple la ilaha il n'a aucun bouge illa Allah la personne qui mérite adoration excepté Allah veut dire pas qu'il y a droit il y a une deuxième quelque chose ça veut dire pas qu'il y a droit il y a une deuxième Allah pas qu'il y a droit il y a une deuxième qui mérite l'adoration comme ça même Pas qu'il y ait droit, il y a un autre bille au salatiel, excepté l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui s'en a parmi nous,
qui nous n'a plusieurs billes sur la terre là. Mais nous pouvons vivre, ribadat veut dire nous pouvons vivre. Réseau qui Allah subhanahu wa ta'ala fina voye nous pour vivre sur la terre là. Veut dire, le purpose, le réseau qui vient créer nous, nous pouvons mettre ça en pratique. Réseau qui vient créer nous, c'est qui nous adore Allah unique. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sagesse sans limite, rahmatul Allah arhamur rahimin, c'est lui qui n'a tout pitié. Finalement, rahmatul lil alamin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin montre nous comment pour vivre nous la vie entièrement dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, depuis nous lever, jusqu'à nous dormir, et même pas dans le sommeil. Depuis nous naître jusqu'à nous la mort, c'est l'ibadat. Chaque minute, chaque seconde qui passe dans nous la vie, c'est obligatoirement l'ibadat. Là, nous posons une question, ben, qui est une vie pour un ribadat accepter dans deux conditions. Premier, c'est l'intention sincère pour faire Allah plaisir. Deuxième, c'est suivre le principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien parmi nous qui sont présents dans Jumma là, commencez par moi-même, qui ne pas faire l'intention pour faire Allah plaisir uniquement. Pour pas faire l'intention même Jumma. Je viens comme l'habitude, mon habitude fait je viens tous les jours, aujourd'hui, arrive vendredi, je viens de jours. L'être chaud. Ikhlasum bin niyat, l'être chaud veut dire faire sa niyat qui nous connaît, l'être chaud ne pas mentionner. Mais faire l'île, viens juste pour faire Allah plaisir. Je viens de jours pour me joindre mon camarade. Je viens de jours parce qu'il m'a obligé de venir. Je viens de jours parce qu'il, etc., etc. Mais je viens de jours. Juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient créer nous. Il met ben l'occasion dans nous la vie pour qu'il facilite nous pour nous rester dans l'ibadat. Pour qu'il facilite nous pour qui nous fait ce ribadat depuis nous relever jusqu'à nous dormir ou bien depuis nous naître jusqu'à nous mourir. Chaque occasion qui est dans nous la vie, chaque événement qui passait dans nous la vie, nous dit qu'il oblige un ribadat parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit de faire nous connaître comment il réagir dans sa bonne occasion. Et là, c'est un ribadat, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de faire excepté quand nous avons des difficultés. Et là, c'est un ribadat qui nous pas capables de faire excepté quand il y a calamité. Et là, un ribadat nous pas capables de faire excepté quand il y a cyclone. Excepté quand il y a l'orage, excepté quand il y a un éclair, excepté quand il y a la pluie, gros la pluie, excepté quand il y a un risque inondation, excepté quand il y a un risque pour qu'il nous écrase, excepté quand il y a un risque qui nous capable de gagner l'amour. Là, nous sommes capables de faire ça, ben ribadat là. Qui fait nous mentionner ça. Nous dire que ça va la semaine qui va passer, qui vient de passer. Ça va le mois qui vient de passer depuis le commencement de l'année là, nous avons une année qui nous peut vivre là. Saban moi là, comment un musulman fait réagir en comparé à saban action, saban événement qui peut passer dans la nature. Et comment un musulman supposé réagir quand il y a un événement comme ça qui passe. Comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li, rahmatul lil alamin, li ti réagir. Comment est-ce que moi, musulman, moi, qui là, est-ce qu'il m'a réalisé qui saban événement là Allah fin fait li pour qu'il me capable faire ce ribadet. Est-ce qu'il veut réaliser qu'il y a un ribadet juste de saban époque là qu'il me capable faire? Est-ce qu'il veut réaliser que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parce qu'un ribadet il y a deux facteurs. Un pour faire Allah plaisir, deuxième pour faire li d'après principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il veut guetter que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li qu'il peut faire quand il se trouve un événement comme ça? C'est vraiment mon sentiment comme un serviteur Allah. Mon sentiment qui me mérite pour faire ibadat Allah obligatoirement, l'homme pour me faire ibadat Allah. Et c'est une obligation pour nous réfléchir à cet événement-là. Alors, chaque événement qui passe dans nous la vie, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que cet événement-là, les Al-David, il faudrait que nous, comme un musulman, nous tirions profit là-dedans.
faudrait que ça événement là vienne ribadette pour nous. Non plus ça événement là, malgré que tout le monde peut dire calamité, vraiment il vient une calamité pour nous. Et jour qu'ayamant nous pas gagner non hier à cause de ça événement qui vient passer là. Comme bon minou qui ne pense l'amour dans l'air qui est dans cet événement là. Comme bon minou quand on l'orage éclair, une pensée qui est capable de salir ça même dans le jugement bien arrivé là. Capable ça nous dit à Jésus. Parce que si nous avons peur, c'est nous avons peur. Connais qui ban ange une peur. Si nous avons peur, connais qui ban création une peur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Quand on l'orage est clair, dit à yusabbihu ar-ra'du wal mala'ikatu. Dit à peut faire éloge. Le tonnerre peut faire éloge. Allah subhanahu wa ta'ala et ban ange. Mon ulama dit que ça saut qui devait être là, c'est grosement éloge des bannes qui peut faire. Pour qui raison? Min khifatihi. Parce que je te fais payer Allah. Je sabbihu ar-ra'du wal mala'ikatu min khifati. Parce que je te fais payer Allah subhanahu wa ta'ala. La création, réagir dans l'ibadat. C'est des créatures qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une laisse libre. Soit ils ont envie de réagir, soit ils n'ont pas envie de réagir. C'est ce bandit et ce insan. Parmi les insan, man qui dort à flotte, qui pas dort, qui pime dans le kalima la ilaha illallah, je réaction pour nous automatiquement notre qualité. Mais nous qui n'est kalima la ilaha illallah, comment nous action bisa été? Comment nous réaction bisa été? Est-ce qu'il nous fait une sortie sur la frayeur là? Est-ce qu'il nous est sorti là quand nous tendons l'orage? Ou bien nous avons sorti nous safe? Nous avons sorti nous qui nous, pourquoi rien nous l'est, nous n'avons pas l'état pour vivre. Nous avons sorti nous avons de raflat comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi raflatim mughridun. Banjimoun de jugement fin costé. Banjimoun en général. Musulmans, non-musulmans, nas, tout le monde. Je dis, mon costé bien prêt. Je vais faire raflater mon lidoun. Mais je vais faire dans un raflat complète. Une négligence claire. Une négligence bien loin. Ça veut dire, nous pouvons penser. Pareil comme un kafir, tout le temps, je dis, Matahad al-Wardou. Je vais envie qu'on se mette de mine qui ça, bien loin ça. Ça, il louait ça. Comme ça même, est-ce que nous, quand il n'y a qu'à l'imala ilaha, nous supposons réagir comme ça? La première question qui, normalement, moi, quand on entend dire qu'il y a un cyclone, peut venir au moins. Quand on entend dire qu'il y a l'orage, qu'il y a une audace, qu'il y a un risque, moi, je vous pose une question. Là, qui est mon premier pensée qui vient dans mon tête? Dans sa lèvre là. Chacun parmi nous, gisez. Des trois semaines de cela, dans un gros cyclone, peut venir, dans des histoires de montrer, etc. Comment prie première question qui se vient dans mon tête? Et dans une pause question, c'est un démon qui est honnête qui vient répondre. Et là, qui dit, ouais, nous avons peur, nous commençons à demander Allah doit. Alhamdulillah. Et là, qui dit, mon calcul n'est pas pour un courant. Nous restons en noir. Et là, qui n'a plus loin qui ça, comment je vais faire ma série? Et là, qui a internet pour casser, comment je vais faire contact avec girlfriend, boyfriend? Je suis honnête, je n'ai pas de réponse. Mais moi, qui est ma première réaction à là? Après avoir qui me connaît, qui est ma réaction, et sinon, comment je vais faire réagir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on le connaît dans la vie, on le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lit. Comment tu réagir quand tu trouves une calamité qui est venue? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu te dis dans le salat, pour commencer namaz, pour commencer salat, tu trouves un yaz noir qui est venu, tu sautes de bidon moussalla, tu sautes de l'aldeo, tu gètes niaz et tu adresses niaz là. Tu adresses avec Allah et tu causes avec niaz, et tu dis avec Allah pour sa niaz là. Les sorties, les roulements, les sahabis disent, comment dire, un démon qui vient perdre l'esprit, il y a un tracas.
Il ne mange pas ici, il ne mange pas là-bas, il mange vite, il se retire, il dit, Sanyaza, Allahumma, oh Allah. Inni as'aluka khayra ma fi khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta biha. Je me demande ce qui est là-dedans. Et ce qui devait envoyer, pense à Sanyaza. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Je me demande encore les mal qui sont là-dedans. Et les mal de Sanyaza et les mal qui sont là-dedans. Wa min sharri ma ba'daha et les mal qui sont là après ça. Ou comme on dit, alayhi salatu wassalam. Et qui est salat? Les sautis, qui fait? Qui fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam réagir comme ça? Moi, en tant qu'un musulman, je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Moi, en tant qu'un musulman, je suis obligé de suivre à la lettre. Moi, en tant qu'un musulman, je suis obligé de connaître qui fait l'infir ça? Non, je suis lui. Mais c'est moi qui fait l'infir ça. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est wahi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam connaît qui va arriver de gagner, pas ça qui peut arriver dans Niaza à ce tiers-là. Mais il connaît qui va le peuple auparavant. Dans le Coran, il fait de connaître qui va le peuple auparavant, tu détruis. Tu détruis pour une calamité, un peuple qui fait désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa calamité, quand tu peux venir à travers Niaza noir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a frayé. Et l'amour qui tient pour ce Ummad, la frayeur qui tient pour Allah subhanahu wa ta'ala, fait les sautis et demande Allah droit. Moi, avec tout mon péché qui m'a fait, moi, avec tout mon dégât qui m'a fait le salatier là, moi, avec tout mon démagogie qui me continue de faire et qui m'a encore mes postes pour faire, je vais trouver un aller pour tous, je vais trouver, comment dire, que Sanyaz là, capable d'amener. Fini chaud sa pays là. Ou bien Sanyaza capable d'amener moi mon fini chaud. Ou bien Sanyaza capable de finir noir et mon la case, de finir moi. Elle sait que vous éclairez, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-toi disparaître. Elle sait que vous éclairez, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi disparaître. Elle sait que vous éclairez, Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi la case, fanaudé et séparé. Vas-y, dans mon risque, il va arriver une petite chose comme ça. Dans les mots, on entier, suivre, de me trouver. J'éclaire sa capacité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu connais. Malgré qu'il ne tient pas aucune preuve scientifique pour prouver. Astin nous a donné une preuve là avec scientifiquement qui était, comment il était et qui sont la fausse. Qui sont intensités. Mais c'est pas style de Bila, Astin là ici. Ne pas qu'on guère, c'est la frayeur qui va nous habiter là. Ne pas les guère, c'est la frayeur. Ne pas les vivre, nous la vie dans l'ibadat. Mon Dieu, première question me pose moi. Comment me réagir et comment me tibisa réagir. Et ensuite, mon réaction qui était. Mon réaction qui me réagir comme on trouve, comme on donne des cyclones bienvenus, qui me fait penser et comment me fait réagir. Troisième question qui me pose moi. Comme on trouve une calamité bienvenue, en tant qu'un musulman qui n'a qu'à l'imala, il a l'imala, qui n'a envie de profiter. Qui n'a envie de profiter dans tout événement qui arrivait. Parce qu'il y a une seule petite chose qui est vraie dans nous la vie, chers frères et sœurs. Une seule petite chose qui sire, nous fait plat, nous pas fait plat, nous plane-li, nous pas plane-li. Nous fait provision, nous pas fait provision. Sire, nous bien aller ça. Sire, nous bien aller ça. C'est vous qui manque un mot pour paraître devant toi. Nous réactions quand nous entendons dire qu'il y a une calamité qui n'a pas fini nous. Est-ce que moi, je me pense. Ça l'est là qui est vraiment capable de s'aimer à Yélia. Ou bien vous pouvez penser, non, pareil comme un non-musulman, vous êtes pensé, comment l'islam fait connaître, comment le Coran, beaucoup de gens fait connaître que nous pouvons vivre l'autant d'un tel autre, un tel et temps pour aller. Ou bien ça, pour un dimoun qui est dans la case tôle, ça. Pour un dimoun qui est dans la case du bois. Nous, alhamdulillah, nous dans la case béto, avec gros ferraille, etc. Nous protéger. Nous protéger, nous. Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donne nous l'eau dans ce sens salam. Pas tu peux dormir aussi longtemps qu'il va lire sur la moulk. Sur la moulk, des ayats, sinon un petit lire là-dedans. Si nous voulons lire, nous voulons comprendre. Si nous voulons lire, c'est comme ça même. Des ayats qui peuvent nous poser nous question. Amintum, est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité? Amintum man fi samaa'i an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en sécurité avec celui qui est dans l'échelle, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas qu'à ouvrir sa la terre là et te parler là-dedans? Amintum, ou bien te pensez
Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba. Ou bien tu penses que tu es en sécurité, que l'eau le ciel, pas pour avoir ce qu'il est le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour capable avoir l'eau toi, un cyclone qui finit toi. Quand nous lisons cette ayat Quran avant nous dormir, qui fait nous lire, qui fait ressortir un petit peu lire ça et nous donne l'autre pour lire, pour qu'il nous dorme avec la frière d'Allah et nous lever avec la frière d'Allah, pour qu'il nous dorme avec connaissance qui est capable de nous pas lever ici, pour qu'il nous dorme avec l'air chaud. Quand nous levez, qui nous vous fait demain? Troisième question qui me pose moi, troisième question qui me pose moi-même. Quand il y a un événement comme ça, quand il y a un événement comme ça, qui fait et puis arrive lui? Qui fait et puis arrive lui? Une réaction, une pensée comme ça, une pensée comme ça qui fait une ribadet spéciale. Une ribadet qui est une grande valeur contre Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois namaz, oui. Nous pouvons dire qu'il peut faire 5 fois namaz, qui est capable de faire ça avant les autres ibadat. Rosa, zakat, hajj, pilier. Mais il y a une ribadat qui vous pèse stralul ou nous balance. Il y a une ribadat qui vous donne une valeur, un vrai musulman contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va une ribadat de ça l'époque là qui nous capable de faire. Ça va l'époque là, nous réfléchissons avec cette fakur. Nous pouvons penser, nous pouvons réfléchir, assiser dans la case où réfléchir, c'est un ribadat qui mentionne plusieurs fois le Coran. Afala tatadabbaroun al Coran, afala tatafakkaroun, afala taqiloun. Est-ce qu'il ne te pas réfléchir? Est-ce qu'il ne te pas méditer le Coran? Est-ce qu'il ne te pas servir de l'esprit? Afala tatadabbaroun, est-ce qu'il ne te pas mazine, man pep auparavant que tu arrives aux autres? C'est ça ben là qui fait Allah réaviser un événement comme ça pour qu'il vraiment nous fasse sa Coran qui nous avec qui donne la case ou bien dans nos tablettes ou bien avec nous dans le poste tous les jours nous lire lui pour nous faire vivre vivant dans nous la vie pour nous faire vivre vivant comme ça nous vivons une ribadat complète nous vivons comme un vrai serviteur Allah subhanahu wa ta'ala qui fait et puis arrive ça ben événement là me pose moi question. Qui fait Paris à un événement là, mais moi en même temps me pose ma question, est-ce qu'il peut dans moi mon âme là-dedans à cause ça Paris à un événement là. Je médite le moi-même, je médite le moment action. Je médite le moi-même parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître zahar al-fasad fil wal zahar al-fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas. Fasad, destruction, cyclone, à ce nous trouver scientifiquement. Quand tu veux dire ça dans l'époque pour le prophète, ben ça va être amen, tu samirina ou samirina ou atorna. Je ne sais pas si tu connais. Astel ne peut comprendre qui veut dire dans sa ayat Quran. Comme un ulama Astel a expliqué, veut dire cyclone quand il forme dans la mer. Cyclone formé dans la mer, il y a les questions qui forment à travers la terre. Le destruction formé dans la mer et dans la terre. Bima kasabat aydin nas. Pour un errer, pour une question qui va nous faire avec sur la mer. Là, quand on médite le troisième là, n'oublie pas un cahier, je commence à dire, bah, est-il une fête quelque chose à cause ça peut arriver ça? Quand est-il une fête quelque chose à cause ça peut arriver ça? Quand bah salim se quelque chose ça? Quand l'autre se quelque chose ça? Moi, qui m'a fait faire pour qu'ils aient dit, nous risquer. Alhamdulillah, Allah encore protège nous, mais pas oublier, comment Allah peut protéger nous, et n'a pas rien comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une prothèse pour une calamité. C'est-à-dire que fait une guerre calamité. Et dans encore bégayer dans le monde entier, elle ne souhaitait pas mon sentiment égoïste qui moi me réussit sapé dans mon accord safe. Je ne connais pas les autres du monde. Connais qui quand ça les mal là pour venir. Est-ce qu'il vous détruire? C'est vrai même les venir. Nous sommes au risque qu'il y en a scientifiquement par là. Nous sommes au risque qu'il y en a. Si Allah avec lui, est-ce qu'il est difficile? Quand même qui grandit, il était, si Allah avec lui, il va difficile pour Allah. Mais nous disons, nous avons un petit servi, nous l'esprit, nous mourons trop petit. Un seul coup de lui. Un seul coup de lui fait tout la mer au globe, nous, fini. Fini net. Disparaître. Est-ce qu'il nous pense capable d'arriver ça? Et si nous pensons capable d'arriver ça, nous prenons une bonne décision. Nous ne connaissons qui est capable, est-ce qu'il m'a l'armée? Qui m'a l'armée peut faire? Pour qu'il arrive une destruction comme ça. Je dis ce que je dis.
واستغفر الله لي ولكم ويسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit inna ajalakum, certainement la vie, cette longueur la vie, cette longueur la vie, min comparé ma khala min qablikum, comparé devant de la vie devant qui avant eux, comment il était li bayna salat al asri wa ghurub al shams, bayna salat al asri wa ghurub al shams, li le rasoul sallallahu alayhi wa sallam sadiq al amin wa la yantiqu an al hawa, li cause vrai et li pas cause d'après cela sur ça qu'il pense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les connaît nous la vie ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On se sent un petit peu cause avant sahabi, avant plus meilleur qui nous, avant plus meilleur qui vient exister au salat et là. Zot la vie, les commandes entre Asar et Maghrib. Zot la vie, les commandes entre Asar et coucher soleil. Ça quand c'était la même qui nous peut vivre. Ça quand c'était la même qui nous la vie était. Basé, d'après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comparé avant le peuple auparavant qui vivait 950, 900, 700, etc. 60 balanés, 70 balanés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître nous la vie des 60 et 70 par an. Hadith qui trouve dans Bukhari. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Et bien l'ulama explique, Fathul Bari explique, et il dit à côté, il continue. Il dit Wa antum ezot, au ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tatamannawna ad-dunya. Toi, kouper ad-dunya. Wa tahlimu ala shay, et tu occupes rêve le quelque chose, ou bien tu veux faire plan pour pas les autres quelque chose, ou bien tu désires tu envie gagner plus. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre ce hadith là avec un événement qui Allah subhanahu wa ta'ala montre nous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu trouves un assorcement de création, quand tu trouves un assorcement de la nature, tout le temps, il y a une réaction, il y a une ribadat spécifique qui se fait. Éclipse, un assorcement, il fait ribadat. Nias, il y a droit. J'éclaire la ligne, il y a droit. N'importe qui chose. J'éclaire le roi, il y a droit. N'importe qui chose, tout le temps, il y a une réaction. Nous, en tant que musulmans, nous bizarres faire des faux. Que chaque événement qui passait dans nous la vie, et chaque événement qui nous peut trouver un assorcement, faudrait qu'il ne passe, comment dire, inaperçu. Pour bon dire qu'il n'y a qu'à la ilaha illallah. Quatrième point, qui me pose ma question après qu'il m'a médité. Quand je me connais, qui n'a pas mon armée, là, je prends décision pour arrêter ben erreur qui me fait, qui me capable d'arrêter tout de suite, m'arrêter tout de suite. Ce qui m'a besoin de faire des efforts, je commence à faire des efforts. Mais commence première quelque chose par estirfar. Par estirfar. Tout de suite, après que je fais cette réflexion-là, tout de suite, un dimon qui a iman, qui est malin, les dimon Allah pardon. Tout de suite, pareil, comment, ban peuple auparavant, ban qui ne sapait, tout de suite, de dimon Allah pardon. Pareil, comment, ban prophète, après qui n'a pas de rien, qui ban peuple, ces prophètes-là, tu peux dimon pardon, vous autres, jusqu'à certaines époques, quand ban n'a pas désobéi à Allah, tu donnes des dimon destruction. C'est vrai, et c'est, nous verrons dire, ça route, khutbala, veut dire, nous la vie, nous bide ça la vie là, c'est ribadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque événement qui passait, faudrait qu'il nous trouve nous dans ribadat de cet événement là. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma aghfir lana dhunubana jami'a, wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن لك كفوا أحد. أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
Allahumma a'iz al-islam wal-muslim wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma damir al-shirk wal-mushrikeen. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghafwa faghfir lana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة يرحمكم الله